Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr, pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Polémique. Valère Bessala dit toute la vérité sur la visite de Maurice Kanto à Etoudi. Valère Bessala, administrateur civil et coordonnateur du parti Jouvence, réagit par rapport à la polémique née de la visite de Maurice Kanto à Etoudi. Dans une correspondance adressée aux confrères Actu Cameroun, l'acteur politique s'est lâché ce 22 décembre 2022, le PR. Maurice Kanto a été aperçu à bord de son véhicule à la guérite des services publics de la présidence de la République. Un communiqué laconique, mais explicite de son parti l'a confirmé. Je ne veux pas savoir, je ne veux pas savoir ce que le grand frère y est allé chercher, ni pourquoi il y est allé en plein jour, encore moins s'il a l'habitude d'y aller, beaucoup moins encore s'il a l'habitude de collaborer avec l'homme qu'il combat officiellement depuis 2018. La présidence de la République n'est pas la maison de Paul Biya. Je ne veux pas savoir si d'autres fermaient les guillemets opposants, l'ont fait avant lui, si d'autres dorment et tout dit nuit des jours, si d'autres s'y retrouveront demain. C'est d'une évidence, la présidence de la République, c'est la présidence de la République, le lieu du service de la chose publique, bref, la maison du peuple. Quant au Maurice est camerounais, il est membre à part entière du peuple camerounais, donc, c'est aussi sa maison. Ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tant d'intelligence font-elles pour se tromper en politique. La politique n'est pas une guerre de tranchées. La politique n'oppose pas des soldats en blanc d'un côté et des soldats en rouge de l'autre. Le pouvoir dans la République n'est pas entièrement rouge, quand les rouges sont au trône, il n'est non plus entièrement blanc, quand les blancs sont au trône. Il y a un déni de bonne gouvernance à exclure, la vraie opposition. L'exercice du pouvoir est un savant mélange de contradictions pour la garantie perpétuelle de l'intérêt commun, de l'intérêt général. Le meilleur exercice du pouvoir réside dans l'art de la prise en compte des oppositions dans la recherche du bien-être de la nation. Il y a donc un déni de bonne gouvernance à exclure, la vraie opposition de la gestion de l'État. Surtout lorsque cette dernière a des idées valables et un projet porteur. Il y a un déni de service au peuple, quand on choisit d'appeler au service politique de l'État, des aventuriers et contrebandiers de l'opposition. Juste pour le besoin de fermer les guillemets, tuer la contradiction, ou d'humilier les opposants qui s'opposent vraiment et réellement. Il y a un déni d'opposition à se radicaliser radicalement. Il y va du pouvoir comme de l'opposition. Être opposant, ce n'est pas de toujours dire non ad vitam aeternam même, lorsque celui qui trône au pouvoir a de bonnes raisons de faire appel à ses opposants pour le bien de la nation. Être opposant, ce n'est pas de toujours déclarer noir, même lorsque c'est manifestement blanc. On ne naît pas président de la République, tout comme on ne naît pas opposant. On le devient. Mourir naturellement président de la République est une honte. De même, mourir opposant radical radicalisé est un déshonneur et un malheur infécond pour la postérité. Pour ce dernier cas, cela veut dire qu'on a fait le choix du tout au rien, autrement dit du moi au personne. La mauvaise foi n'est pas un courant politique. L'opposition pour l'opposition n'est pas une marque de l'opposition. Intégrons la nuance. L'opposition est une gangrène pour l'organisation. Il est un cancer, un maladie contagieux dont il faut s'éloigner. La compromission est un acte manifeste d'égoïsme et d'immolation de l'organisation politique sur l'autel des intérêts individuels et privés. Qu'un système n'est jamais assez étanche à toute pénétration. Chaque système a ses pertuis, ses failles, ses ouvertures que tout bon leader doit pouvoir identifier. Un bon leader ou un meneur d'hommes en politique doit donc avoir des connexions dans le système. Il doit avoir des soutiens partout dans la machine. Surtout dans le camp d'en face. Ce sont ses amitiés et ses soutiens qui lui permettront de toujours avoir la bonne information, le vrai renseignement. Ce sont ses connexions qui lui permettront de toujours avoir une longueur d'avance et d'épargner aux siens des désagréments et des surprises de mauvais goût. Un opposant n'est ni ennemi, ni un ami du système. Un opposant n'est donc pas un ennemi du pouvoir en place. Il n'est non plus son ami. Un opposant n'est juste que le reflet amélioré du tenancier du pouvoir en place, vu dans un miroir. Il est la pièce de rechange en aiguillon et en attente de la décision du peuple. L'opposant est un serviteur du peuple dans l'opposition sans se mélanger au pouvoir en place. L'opposant doit servir le peuple dans l'opposition, au même titre que celui qui tient le pouvoir réel dans la République. Pour cela, ses positions et ses attitudes doivent toujours rester chevillées à la vertu, à l'honnêteté, à la citoyenneté, au patriotisme, et même au plus haut service de l'État, si la proposition et la position lui permettent de pratiquer et d'appliquer ce qu'il prêche dans l'opposition. Et pour finir, ce qui m'intéresse, c'est de donner raison à la jeunesse camerounaise en politique. Pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris, ils peuvent dès à présent le comprendre à travers cet épisode fermé les guillemets douloureux, mais sans intérêt sur le PR. Maurice Kanto. Combattre Paul Biya et son système, mais fermer les guillemets collaborer avec le président de la République. D'interrogation. Il y a belle et bien une différence entre Paul Biya et le président de la République. On peut ne pas aimer l'individu, mais on doit respecter l'institution qu'il incarne.
on peut combattre Paul Biya comme adversaire politique, mais on doit pouvoir préserver ou protéger l'institution qu'il porte au nom du peuple. Tout opposant sérieux est un potentiel président de la République. Tout individu acteur politique d'aujourd'hui est une potentielle institution qu'il faudra bien respecter demain. Respecter une institution de la République et collaborer avec elle n'enlève rien au sérieux ou à l'honneur d'un opposant. Au contraire, cela est une grande preuve de hauteur et de maturité. Un fermé les guillemets bon opposant ne doit pas se compromettre avec Paul Biya, mais il doit pouvoir et savoir faire un compromis avec le président de la République, au nom de l'intérêt suprême de la nation. Et surtout lorsque besoin s'en faut point, le radicalisme ne profite qu'à l'opposition grise, ou postiche vivement donc, que l'opposition comprenne, que le radicalisme pour le radicalisme dessert l'opposition et le